Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de découverte, toujours sur le MMO. Voulez-vous activer le... Bah oui, je suis déjà activé en plein écran. Sur ce MMO qui est... Est-ce que je peux récupérer... Comment je fais pour récupérer mes... Ah bah fallait juste que je clique gauche. Parce que sinon je me suis connecté plein de jours de suite, hein. Ça fait... C'est pas la première fois que je joue. Hein. Bref, pour ce nouvel épisode découverte sur... Black Desert Online. Archive supplémentaire, premier épisode tourné. Oui, bah c'était pas le premier épisode, hein, mais... Ah oui, c'est parce que j'ai pas modifié, je me rappelle. Ok, donc je m'étais fait tuer ici. Je me souviens. Bon. Quoi qu'il en soit... Boum, 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 boum. Voilà, ça fait du bien. Oui, alors ma voix ne sera pas réveillée, j'ai eu une nuit étrange, bizarre, bazar. Je dis bizarre comme c'est bizarre. Bref. Ouais, j'ai passé une nuit où j'ai pas... Enfin, j'ai dormi, mais j'ai pas l'impression de m'être reposé, c'est très très con. Enfin bon. Map. Map. Ah bah. Ok. Qu'est-ce que c'est là-bas? Ok. Je crois que j'ai clic droit, mais que ça l'a pas fait forcément hyper instantanément. Là, il y a un truc, cela dit. Voilà. Hop. Allons-y! Pénétrer dans une zone de combat. Bon! Tant mieux! Tant mieux, tant mieux. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, des... Ah oui, je me rappelle. On était passé par là parce qu'il y avait justement le château là-bas. Mais le château, il est rempli d'humains qui me disent que si je m'approche, je vais crever. Et en fait, c'est pas parce qu'il va y avoir des bestioles, c'est parce que eux vont me buter. Salut le loup. Les loups. Ouh. Et les loups. Ok. Alors je bute des loups, je sais pas encore trop pourquoi ni comment. Hein. Colline Dewa. C'est la colline Dewa. Bon. Je suis arrivé chez moi. Nouvelle zone a été découverte pour le débit de bois. Bah écoute, pourquoi pas. Cartographe, qu'est-ce que tu fous dans le... Ah oh mon dieu, tu étais de cacher des monstres. Viens, tu devais le dire. Comment se porte mon ami Artemio? Quoi? Ai-je l'air jeune? Hé, hey, le visage d'un chat, il ne vieillit pas. Il est impossible de deviner mon âge en se basant sur notre apparence. D'accord, c'est bon à savoir. Est-ce que tu regardes... Vas-y. D'accord, ah oui, c'est... D'accord, c'est pas des gamins. Oh, c'est des chats. Et les chats, ils vieillissent bizarrement. D'accord, bon bah c'est bon à savoir. Bullet. Je vous ai sauvé la vie, là, chers amis. Bon. Tout ça mis à part. Map. Map, map, map. J'y suis allé, là, ou pas? Parce que j'ai quand même un putain de gros doute, hein. Je vais aller là. Je crois que j'y suis pas du tout allé. J'ai dit grande ville, non. Tout simplement. Yo! Alors j'aimerais qu'il y ait une possibilité d'amélioration sur ça. C'est tout con, mais sur la distance d'apparition des objets. Malheureusement, apparemment, c'est un des plus gros défauts graphiques du jeu, en dehors de sa beauté. C'est que la distance d'apparition et de mise en détail des objets est assez proche. C'est vraiment dommage qu'on ne puisse pas corriger ça. Ah, tiens, il y a un point là. Bonjour! Tu es... Comment tu t'es... Par-ci? Par-ci, par-là? Par-ci, par-là, c'est ça. Parchi! Parchi! C'est ta première visite à la ferme? C'est la ferme Finto. Je suis ici pour travailler. Tu bègues un peu, mon pote. C'est pas de ta faute. T'inquiète pas, ça va s'arranger. T'as vu le discours d'un roi? Bon film. Bon film. Eh? Je suis le seul à avoir vu un éclair ou... Bon, bizarre. C'est quoi? C'est un champ de patates? De carottes? Je sais pas. Boum. C'est un champ de monstres? Non? Non plus? Bon. Oh! Oh là, patrouilleur! Ok, je vais me faire foutre. Vous savez qu'il y a moult monstres aux alentours. Des belettes! Il y a des belettes... Plein de choses. Bon, bref. Ah bah voilà.
Est-ce que je m'y suis arrêté seulement par là? Oh, mais oui, mais ça me dit vaguement quelque chose. Je m'y suis arrêté. Enfin, je me suis arrêté quelques secondes, en tout cas. On va quand même passer voir s'il n'y a pas... Claire Arryn. De la maison Arryn. Oh. Santo's rough nature is my fault. I was a bad... Fais preuve de compassion. Ce petit a une éducation sévère. Ah bon? Bah écoute, s'il a une éducation sévère et que ça lui donne... Enfin, ça fait que du coup il a une mauvaise attitude envers les gens, c'est que l'éducation est mauvaise, enfin, de mon point de vue. Mais bon. Bonjour. Go ahead. Choose. J'ai mieux. C'est con, hein. Putain, ils vendent du verre. Épée longue d'Aswell. Bouclier de Van Geurt. Van Geurt. Ça se vend tellement cher, par contre. Remarque. Avec tout ce que j'ai sur moi, je peux peut-être lui vendre des choses. Sur le marché, mais bah... Faut que je trouve quelqu'un qui fasse banquier. Un instructeur de compétences. Enfin, pas banquier, mais vous voyez, truc de... Ah, vous voyez, quoi. Oh. D'accord. Si on devait... Voilà. Avec des points d'amitié, on peut débloquer des quêtes. Avec encore plus de points, enfin, différents nombres de points, on peut débloquer une zone, le château de Kron. Enfin, une zone à acheter, j'imagine. Et des connaissances sur le château de Kron, pardon, voilà. Et là, des connaissances sur les semi-hommes. D'accord, ok, je commence à comprendre l'interface, c'est chaud. Maintenant, faudrait qu'on m'explique comment. C'est mon jour de chance, regarde-toi, le regard vif. Marcus 2. Ah, j'oublie facilement les noms, je vais t'appeler Janeiro. Oui, bah écoute, comme tous, hein. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Esquive. Esquive. Ok. Frappe lourde. C'est quoi la différence? Elle fait plus de dégâts, j'imagine, en fait. Du coup, je la prends. Frappe tourbillon. Ouais. Frappe tourbillon, enfin voilà quoi, le tourbilol, moi c'est pas trop mon style. Contre. S et gauche. Taillade latérale. Boum. Ouais, avec un pas sur le côté, c'est sympa. Coup de bouclier 2. Augmente la précision. Gagner en force pour un coup de bouclier plus puissant. D'accord. Empalement de précision. Régénérera vos PV. Oh, ça je prends. Impact sauté. Ouh, c'est beau aussi ça. Ah, dans certaines situations. Donc ouais, ça m'inquiète un petit peu de savoir ça. Cri de guerre. D'accord, utilisable sur un emplacement rapide. Tapez sur votre bouclier pour attirer l'attention des ennemis. Onde de choc, d'accord, ça je l'ai déjà vu. Ça c'est quoi? Conditionnement physique, augmenter la puissance de défense au corps à corps. Ça peut être sympa. J'ai combien de points encore? 3. Absorption de rage, transfert de furie. Bon, d'accord, plein de choses que je ne saurais jamais utiliser. Entaille chargée. Ah oui. Ça j'aime. Et c'est pas la marque de... Ok, bon bah écoute, pourquoi pas. Ok. De toute façon, faut là que je me fasse coacher, chers amis. Hein. Si je veux continuer un petit peu cette aventure, il faudra que je me fasse coacher. Adrian. Quoi, la ferme Loggia? Je connais pas cet endroit. Je suis trop occupé à devenir le plus grand pirate du monde. Il y a des pirates, il y aura des pirates avec Lia, j'en fais la promesse. Il est ambitieux le garçon, ouais. Compétence d'escalade de mur. Marcher, courir, il faut toute une journée pour traverser la ville. Je cours sur le toit de comme Santo Manzi. Escalader les murs est un must si tu veux te battre contre des pirates. D'accord. Chasse trésor, obtenez des informations. Excusez-moi, un instant.
Ok, je connais un secret. Le secret du trésor d'un pirate légendaire. Quoi, tu veux jouer au film Les Goonies ? Très bon film, hein, je vous invite à le regarder, c'est un vraiment excellent film. Les gens pensent qu'il s'agit seulement d'une légende, mais je ne suis pas d'accord. Le trésor existe. Ouais, il est un peu vieilli le film, mais en dehors de ça, c'est bien. Selon les informations obtenues, la carte est dans cette ville, je dois la trouver. En ce moment, j'explore cette zone. Marcus II, pourrais-tu questionner les gens sur cette carte ? Où le pirate est-il pu cacher le trésor ? Comme c'est palpitant. Cette carte séquentielle présente un certain niveau de difficulté. Elle est conseillée aux aventuriers les plus expérimentés. Ah bon ? Ah, ouais, je crois. Bah écoute... tu connais l'expression « va te faire foutre, gamin » ? Eh bah voilà. Ah bah oui, j'imagine qu'il faut aller au château. C'est con, c'est tout con. Je ferais mieux d'y réfléchir un petit peu. Il y a deux personnes auxquelles je n'ai pas parlé ici. Alors peut-être qu'il y a un vendeur qui m'intéresse, mais que j'y ai pas plus du tout. Oh, chef d'atelier. Bonjour. Tu veux que je te coupe du bois ? Des bois qu'il a sur la tête. L'atelier de Velia. D'accord, c'est tout ce que tu as à dire. Veux-tu utiliser l'atelier ? C'est un peu vide comme atelier, mon ami. Bon. Il reste normalement une personne. Il y a une quête là-bas. C'est pas le gamin, la quête ? Si, sans doute. Chat égaré, là-haut. Il y a une tour là-bas. Coffre secret ! Oh putain ! Je l'ai vu, hein. On va y aller. Moi, j'y vais. Hop. Voilà. Voilà. Ok. Raté, dommage. Ok. Et il est juste là. Juste là-haut. Oh merde. Comment je fais ? Oula, raté. On aurait pu descendre bien plus bas, je pense. Hein. Alors, je crois que de toute façon, pour grimper, il faut que je laisse la touche espace enfoncée. On va bien voir. Hein. Je crois que c'est ça. En même temps, je grimpe. Bonjour, le chat. Oh, le chat. Oh, le chat qui était vilainement placé. Salut. Ah, je m'en doutais que c'était en rapport avec la quête. Salaud. Pourriture de rebelle. Allez, je me pète trois tibias. Non, ça va, finalement. Il y a une onde de choc bizarre, mais ça va en dehors de ça. Ok. On descend. Hello ? Non ? Non. Il y a plein de gens à qui je n'ai pas parlé. Forgeron d'armure. Mais je n'ai pas d'argent. Oh ! Vous êtes une... Ah bah d'accord, il a le droit à sa cinématique, lui, le forgeron. D'accord. Oh, c'est un nain. Un nain forgeron. Oh putain. My face hasn't become sweaty enough yet. The refining is all about perseverance. Ah, il est sympa. Je l'aime bien, une bonne tête. Je suis Tranalanderfou. Je suis forgeron qui n'abandonne jamais. Je suis un forgeron qui n'abandonne jamais, quoi qu'il arrive. Tiens-moi au courant si tu as besoin de quelque chose. Pardon, mais je dois continuer à marteler. D'accord. C'est rigolo, remarque. Je sais pas ce que je peux réparer, mais je répare. Ok, merci le jeu. Il me faudra un banquier, s'il vous plaît. Ah, ça doit pas être loin.
responsable des échanges. Bienvenue à Velia. Si tu as jamais besoin d'un bureau, d'aller au bureau de change, fais-moi signe. Acheter une maison. Non, non, ça fait. Non. Pas tout de suite. Je m'occupe d'un bâtiment à Velia. Je m'appelle Pietro. C'est Isla qui me t'envoie. Vous devez remplir des conditions pour obtenir la connaissance de PNJ. Bon, c'est pas le PNJ indiqué sur la carte du monde. Puis revenez pour obtenir ses connaissances. D'accord. Oh là là là, c'est compliqué, c'est compliqué. Si vous pouvez me conseiller, chers amis, là-dessus, dites-moi exactement comment faire. Ce serait vraiment génial. En attendant, ce sera peut-être fait. Hein. Là, je vais être au 4ème épisode tourné, ce qui était dit autant dire que j'ai énormément de temps en attendant. Pas la Lustin l'alchimiste avait l'IA terminé. Alchemy begins with understanding the fundamental principles of all things. All things exist based on. Huh? What's happening? The staff is shaking. The device reacts when black energy is present. My friends, do not be afraid. It's a small amount of energy. Is a stranger among us by any chance? You have a vast world before you, just waiting to be explored. T'as un œil qui me regarde pas, par contre, c'est bizarre. Come see me often, for your own good. Effectivement, ce pouvoir qui t'a... Okay, j'arrive pas, j'ai du mal. Ce pouvoir qui t'a réside en toi, c'est ce qui t'a amené ici. Seigneur, as-tu déjà visité l'ancienne chambre de pierre? Si seulement nous avions plus de temps. C'est bien, si c'est bien ton destin, il n'y a rien que tu puisses y changer. Ouais, je fais toujours pas les vieux. Aventure et recherche de connaissances. Le monde est à toi. Le monde est à toi. Tu n'as pas à détruire quelqu'un d'autre pour atteindre tes buts. Pourtant, ce jeu nécessite que tu fasses du grind de monstre pour gagner des levels. Tu as de nombreuses responsabilités devant toi. Ton voyage promet d'être long, comme ma bite fut-elle il y a tant d'années. De nombreuses souffrances t'attendent, bien sûr, mais je suis certain que tu trouveras assistance auprès de ce pouvoir qui t'habite, ou m'habite, ou notre bite. Parce que, oui, on partage notre bite. Pourquoi ne pas faire un tour en ville d'abord? Tu devrais visiter le magasin général en premier. Après tout, c'est ma fille qui le tient. Elle est habituée à ce qu'on la visite de l'intérieur de son magasin. Elle y manque parfois de maturité, mais c'est une gentille fille. Là, j'ai fait un petit peu plus la brebis égarée que le vieux pépé à la fin, en fait. Accepté. Il veut que je visite sa fille de l'intérieur. Nous ne sommes rien que des proies fragiles aux yeux du reste du monde. Il te faut acquérir différentes formes d'expérience en ce monde et tu obtiendras ainsi plusieurs types de connaissances. N'hésite pas à te pencher en avant si quelqu'un te le demande. Souviens-toi, Marcus, n'hésite jamais à t'ouvrir et ne recule jamais devant un apprentissage. Suis ce conseil et tu gagneras. La création commence par l'apprentissage. Oh putain, il est magique cet homme. Cet homme est magique. Il a des... Oh. C'est bizarre, quand j'étais autour de lui, regardez, il y a plein de trucs autour. Bizarre. L'interface est étrange. Étrange, pas un bizarre. Je dis bizarre comme c'est bizarre. Elle est dans la maison, forcément. Forcément, je fais tout le tour. En fait, non, elle était dedans. Ou il était dedans. Marché noir. Oula, bonjour. D'accord. C'est la nuit blanche de Velia. Bah, d'accord, bah, je peux pas te parler. Tu fais du marché noir, mais je ne peux pas te parler. Bah, écoute, va te faire foutre. Hop. Ok, donc moi je cherche avant tout un mec qui accepterait d'ouvrir le marché. Parce que je crois que le marché ça se fait pas par le. Gardien de bac, livraison impériale de poissons, gérant d'entrepôt. Bah merde, attendez. Raccourci, artisanat, boutique de perles, beauté, colorant, combiné. Animal de compagnie, j'ai un animal de compagnie, non. Mes informations, inventaire, esprit occulte, quête, compétences, guilde, transformation, guide de pêche, connaissance, carte du monde, fuir, ami, message, liste des... Marché. Voilà, je peux pas, on est d'accord, je peux pas... Faut que j'aille trouver quelqu'un qui fasse le truc.
Marchand de poissons, bah non, ça m'intéresse pas pour l'instant. Bijoutier, marchand de meubles, chef de commerce. Est-ce que ce serait ça? Oui, t'es un marchand, je me doute. Non. Non, ça c'est pour les mecs qui font les commerces avec les... Ah! Île de marchande, pioche requis, d'accord. Oh, j'ai vu une grosse... Chef, d'accord, on va revenir là-dessus plus tard, il y a une quête à donner de toute façon. J'ai vu une grosse icône. Oh. Aubergiste. Aubergiste! Je voudrais revenir là-dessus plus tard en fait, parce que d'abord j'aimerais... Contremaître. Attendez. Le titre, bon communicateur. Eh ben, il est sympa cet homme. T'es un connard en fait. Salut, connard. Ah, c'est toi le Santo. Les gens perdent leur temps à s'inquiéter pour moi. Au fait, je te lis tout de suite. Je n'ai aucune pitié pour les hommes, alors fais attention à toi. Ah, parce que t'as de la pitié pour les femmes. Ce serait pas un peu sexiste? Contrat d'ouvrier, bourse de travailleur. Pff, je viens pas là pour une bourse, hein. Livraison impériale. Mais merde! J'ai besoin d'un mec. Commerce, attendez. Commerce impérial. Putain, c'est pour la guilde. Ah, mais merde, en plus, je dois sentir. J'ai pas le droit d'ouvrir la porte. Les mecs. Attendez, je vois des tentes. Je vois des tentes. Ah mais merde, qui dit tente dit peut-être voyageur ambulant. Enfin, marchand ambulant, pardon. Marchand, voyageur, vous dites comme vous voulez. Je vois pas. Je vois pas. Je reviens. Je vais googliser ça. Re, chers amis. Donc apparemment, il faut que je trouve l'officier de commerce. Qui potentiellement pourrait être... Oh merde. Sur les quais. Au niveau des quais. Marchand de matériaux. Je regarde quand même partout. Hein. Vous connaissez, j'aime pas trop. Oh, c'est sympa l'endroit là. Là, je viens de maison ici. Ah bah non, pas juste devant les ports, remarque. Il y a un truc ici, non? Ok. En plus, c'est joli l'endroit. La ville est jolie. Oh, le navire. Le navire démoniaque. Officier de commerce, gardien de bac. Et sur la map, c'est pas affiché? Ah merde, j'ai pas fait ce que je voulais faire. Ok, transport, marche. Transport, marché, liste des ouvriers, vidéo didacticielle. Quitter. Mais non, c'est pas ça. Ah oui, d'accord.
Je sais pas. Je sais pas où est cet homme. Officier de commerce. D'accord, il y a une baleine qui est sortie. Officier de commerce. Alchimiste, non. Mais merde, c'est si compliqué de trouver un. Bon. Je vais le chercher en neuf. Vaut mieux que je le cherche en neuf. Bon, j'abandonne. Je vais les vendre bêtement. Tant pis. On va retourner voir le forgeron. Là, franchement, c'est un poil embêtant. Ce genre de choses. Devrait être affiché, enfin je sais pas, ou alors c'est peut-être moi qui les vois pas, je sais pas. Yo l'ami. Hop. Oui, je veux le vendre. C'est pas grave. Moi qui pensais que j'allais me faire du fric à foison. Alors on m'a dit de garder tous ces trucs là parce que ce serait une bonne armure pour... Allez, tant pis. Je referai du farm de tout ça. Oula, par contre, là, faut que je fasse tout. Hop, voilà. On m'a dit de garder cette armure-là. Il paraît que cette image d'armure-là est meilleure que la mienne. Ça m'a surpris. Mais bon. Ok, on a tout vendu. Maintenant, on va aller voir les kékettes. Donc là, la kékette de lui, je m'en rappelle. Elle est toute petite et pas si dure que ça. Et sur... Enfin, non, justement, elle est petite et trop dure. Alors, toi. Toi, mon toi. Bonjour. Bienvenue. Ah non, bienvenue. Ah non, je ne pourrais pas faire une femme forte. Tu dois venir de loin. Mais tu voyages seul, ce n'est pas trop déprimant, non, non, ne sois pas triste. Tu es encore jeune et magnifique en plus. Mais mange quelque chose et ton joli teint va se brouiller en moins de deux. Location, chaussures d'île. D'accord, quête. Collier égaré. As-tu vu Emma, ma petite fille a oublié d'emporter son collier. Si elle en a besoin, si tu la vois, s'il te plaît, donne-le-lui. Non, je vais le garder pour moi, je vais le revendre. Il vaut peut-être des millions. D'accord. Wow. Je regardais la carte. Dangereux. Contre-maître. Livraison impériale. Je vais lui parler quand même, mais... Oh. Only those who are qualified can participate. Qu'est-ce que ce bordel? Bonjour. Ah oui, c'est pour sa quête à lui, oui. Ok. Putain, vu le bruit que ça a fait, c'était pas une larme, hein. Rouge. Pourquoi rouge? T'aurais dû dire red. Marcus, ce n'est pas Clorin, Céline. Ça te surprend? Même ceux qui nous connaissent ont du mal à nous distinguer. On ne parle pas tout à fait de la même manière, cependant. Je ne sais pas si je peux t'aider, enfin, si tu as besoin de moi, je veux dire. C'est elle qui parle avec timidité comme ça, c'est Clorins. Vous avez besoin de quelque chose? Ou alors vous avez frappé à la bonne porte. Terminé, ok. Une requête d'Eileen. Je dois étudier l'alchimie, mais je manque de données. Si je pouvais examiner les abeilles parasites, je pourrais faire une meilleure potion. Tu peux m'aider pour mes recherches? Je te récompenserai quand je serai devenu une grande alchimiste. Bah écoute, de la place dans l'inventaire et des points d'énergie restaurés, si tu le dis, hein. Tu m'as fait économiser de l'argent, je vais te faire une bonne potion. Oh oui, fais-moi une bonne potion. Tiens, voilà, apparemment j'avais déjà tout sur moi. Ah non. Instructeur de compétences, ça veut dire. Je peux laisser ton village ici pour la première fois, n'est-ce pas? Hé, c'est ok. Nous sommes habitués à croiser des aventuriers un peu bizarres ici à Velia. Je suppose que tu es venu me trouver pour une raison précise, je vais te présenter quelqu'un.
Tacros est chargé de la protection de la ville, c'est également l'instructeur de compétences. Il est tellement gentil, je suis sûr que tu vas l'aimer aussi. Tu devrais aller le voir, peut-être que tu apprendras une chose ou deux au passage. Si tu veux, mais je suis déjà allé le voir et j'ai appris plus d'une chose ou deux. Ok. Pack de pierre noire, armure, si tu le dis. À tes souhaits. Est-il le truc? Oula. Accident! Ah non, c'était l'alchimie, je suis en train de me dire merde, j'espère que c'est pas le. En tout cas, c'est sympa d'être là-dedans. Je sais pas du tout ce que j'y fais, mais c'est sympa. Là, c'est le gamin. Ok, donc, on avait dit c'était ça. Non, c'était celle-ci, voilà. Commençons par aller chercher le collier. Ah, s'il veut bien. Nyon. Allons-y. Virage. Virage, accélération. Non, d'abord, accélération. Ensuite, virage. Bon, c'est très classique, hein. Mais le jeu est sympa. Le jeu est sympa, je reconnais. Bon, après, j'ai peut-être pas choisi la classe la plus spectaculaire à regarder combattre. À part peut-être pour la touche E, qui est juste épique, là, avec le grab. Qui est complètement épique. Empalement chargé, empalement brutal. Empalement chargé, c'est quoi? Allez. D'accord. Avancer plus F. Mage clic gros, mage clic gauche plus avancer plus F. D'accord. Ok, culture de la pomme de terre, d'accord, pourquoi pas. Hello there, bonjour Emma. Puis-je te parler, s'il te plaît? Oula, avec des vêtements c'est mieux, oui effectivement. Oula, oula, qu'est-ce qui t'arrive? Oh, toi tu aurais bien un œuf vibrant dans la... Oh, elle faisait des cochonneries avec une poule sous la robe, et dis donc. Ouais, c'est ça, fais genre. Fais genre. Comment va grand-mère? Tu auras probablement besoin de plus d'ingrédients si tu as beaucoup d'invités. D'accord. Tu dois avoir des difficultés avec ces abeilles parasites, j'aimerais vraiment pouvoir t'aider. Oh, c'est mon collier, c'est ma grand-mère qui t'a demandé de me l'apporter. N'ai l'air de rien, pas vrai, mais ce collier m'empêche de faire des cauchemars. Je n'aurais pas dû l'oublier, merci. Mais pourquoi tu l'enlèves en fait, ça sur le principe? À quoi ressemble le monde extérieur? Même Aidel doit être sacrément différent d'ici, non? Arrivé d'un suite à ce cauchemar, arrivé du cauchemar, ouais, je suis le dis, bref. Suis-je la seule à être affectée? Le collier n'est plus aussi efficace qu'il l'était. Que se passe-t-il? Le cauchemar devient de plus en plus réel. Je veux me débarrasser de ce cauchemar si je le peux. Connais-tu Alustin, l'alchimiste? Oui, je viens d'aller le voir. Si tu as des cauchemars, il pourrait te donner de bons conseils. Il me donnerait des connaissances sur les infectés. D'accord. Ok. Poulet en fuite. Hop. Ok. Enfin, non seulement le jeu claque visuellement, en plus il est pas super irréaliste en fait. Il est vraiment assez. Vous voyez, regardez. Quand tu vois ça. Bah, je sais pas, moi j'ai un semblant de. Je suis content de voir ça, quoi. C'est pas surréaliste, pas du tout. Cependant, je pourrais peut-être mettre un reshade dessus aussi. Histoire de peut-être le rendre un peu plus. Sombre. Je n'ai pas encore joué de nuit véritablement, et. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas. Information, what? Ok. Il y avait pas genre un truc, voilà, avec un dé, c'est ça. C'est quoi cette histoire? J'ai des récompenses à récupérer aussi ensuite. Encore une fois, ouais. Non? Oui. Oh, loyauté de 700. Ok. Si tu le dis. Des choses à récupérer en bas. Hop. Obtenir. Obtenir. Pack promo 7 jours. Plus 16 emplacements de sac.
billet d'extension d'inventaire. Boîte d'assistance de Jarrett. Bah écoute, ouais, pourquoi pas. D'accord, c'est parce qu'en fait il y a une promo pendant 7 jours et du coup tout le monde en profite, ok. Hop, pourquoi pas, c'est sympa. Ok. Notre Jarrett, transaction, effet d'ensemble activé utilisant avec les ceintures de Jarrett, boucle d'oreille de Jarrett et nanor, essai d'ensemble, attaque plus 5, attaque plus 10, d'accord. J'ai que deux pièces en fait, c'est ça. Lingot d'or 10 gold. D'accord. D'accord, je ne peux pas l'utiliser pour le moment. Une lettre de récompense, une pierre noire d'armure, je ne sais pas ce que c'est. Pack d'armure pierre noire, XP plus 5%, lanterne. C'est tout ce que j'avais avant. Il semblait que j'avais d'autres choses. Palette de merde, d'accord, c'est ici. Hop, voilà, je peux les accepter ici. Ah d'accord, c'est des bénéfices suivants pendant 7 jours. Ok, c'est pas, ça m'intéresse pas du coup. Qu'est-ce qu'il y avait? D'accord. On viendra dessus à un autre moment. Du coup, je peux reteindre mes trucs. Ok. Darifu! Oh là, Darifu! Bonjour. Bonjour. Bonjour! Le chef m'a dit de rester ici pour protéger ma... D'accord. Bon. Reste ici si tu le souhaites, hein. La rencontre d'Alucin la chimie, j'ai déjà rencontré. Instructeur de compétences, là, j'ai pas vu. La rencontre d'Igor Bartali. Ah. Ah. Et c'est le... Ah non, c'est très très loin, ça, de mémoire. Ça, c'est très très loin. On va aller là-bas, déjà. Pourquoi tu vas pas dans la bonne direction? Qu'est-ce que... Je vais où, là? Ah si, c'est la bonne direction. C'est moi qui suis nul, en fait. Ok. Je pensais être plus parti par là que par là. Ok, ok, pourquoi pas. Ah, les couleurs deviennent un peu plus chatoyantes. Je sais pas si vous avez remarqué. En plus, moi, l'heure est cachée en haut à droite par le symbole de commande de mon logiciel. Donc bon. Alors. Qu'est-ce qui se passe? Hop. Ça, par contre, ça pourrit un petit peu le... Ah bah là, il se met à flotter, voilà autre chose. Et je passe à travers. Attendez, déjà, il y a quelque chose ici. Hop, range ton épée, c'est même. Parfait. Hop. Non, c'est pas ça. Ah bah, je veux lui parler, s'il vous plaît. Mais merde. Voilà. Emma est différente. Bah, ça a l'air étrange, mais certaines choses s'échappent à la perception des hommes. Le cauchemar touche tous les membres de la famille Bartali. Le fils du chef était l'unique exception. Par chance, la famille a réussi à ne pas être possédée par l'esprit occulte. Désolé de faire peu du cas de ta patience envers l'esprit. Personne d'autre que toi ne peut voir l'esprit occulte. Nous comptons humblement sur sa présence. Un jour, l'esprit permettra ta possession au défi. Tu ne comprendras pas maintenant, mais c'est ce que j'ai entendu. Ok. Come see me often. Le monde de tête foie, aventure, donc ça j'ai déjà fait tout ça, d'accord. Vous allez obtenir une nouvelle connaissance sur les infectés. C'est cool. On va aller voir l'instructeur. S'il veut bien le jeu. Voilà, merci. Hop, virage. Ok. Monte l'escalier et on est bon. On s'est déjà parlé. Eileen. Eileen, t'envoies. Je vais devoir encore être encore plus gentil avec toi dans ce cas. Okay.
then get out there and explore. There's no need to hesitate. Ok. Oula. As-tu visité la ferme Alejandro, celle qui demandait de l'aide? Si les humains sont pénibles, alors allons combattre des effrites de mine ou autre chose. Pourquoi t'es apparu en fait? Pourquoi t'es apparu? Pourquoi t'es apparu? Aucune idée. Aucune idée, aucune idée, aucune idée. Là, il y a une quête, mais c'est le gamin. Hop. Ici. Allons-y. Hop. Igor. Albus. Igor. Bref. Isla doit être occupée avec l'auberge. C'est une bonne chose. Notre auberge offre les meilleures chambres et les meilleurs repas aux aventuriers de tout type. Maintenant, je peux voir la touche d'esprit dans tes yeux. Peut-être que tu as su tirer des leçons de ton expérience. Et la raison pour laquelle tu es là, c'est pour dire au revoir, n'est-ce pas? Je vais te faire don d'un âne en cadeau. Si tu ne sais pas comment l'utiliser, l'écurie, va voir Lorenzo. Il enregistre l'emblème de cheval auprès de lui, puis il te donnera un âne. Si tu me donnes un emblème de cheval, pourquoi je récupère un âne? Avec l'âne, tu pourras voyager avec un peu plus de confort. Rends-toi à la porte du chemin qui mène à Edel. Kerkele sera là pour t'aider. Alors, âne gris, âne brun, âne noir. Âne gris, hein, moi... Un âne, c'est gris dans ma vie, hein. Dépôt de Velia. Ton sac me semble plus lourd que la dernière fois. Cela m'a étonné lors de notre première rencontre. Qu'on ton sac soit vide. Je t'ai présenté au gérant d'entrepôt. Je vis et mon cerveau me fait défaut. Tu trouveras Ernil près de la plage. Il gère le dépôt de la ville. Profite-en pour admirer la superbe vue de la plage. Bonne journée. Bah écoute, merci. Enregistrez le billet et obtenez un âne. D'accord. Enregistrez le coupon. Ok. Ok. Oula, pourquoi une aide? Stable. Ah oui, d'accord, étable, c'est les étables. Ok. Ok, ok. D'abord, l'entrepôt. En fait, c'est peut-être là que j'aurais dû mettre toutes mes trucs, mais bon, c'est pas grave. C'est que le début du jeu, hein, finalement. C'est pas là que le farm est le plus important. Enfin, j'ai rarement vu, en tout cas, dans des mémos, des moments où le farm était extrêmement intéressant, sauf quand on voulait faire... Moi, ça m'arrivait dans WoW que je crée un personnage exprès, un truc débile, un guerrier, imaginons, qui devait faire forgeron. Et en fait, je le montais uniquement avec l'équipement que je faisais. Ce qui faisait que je devais farmer parfois, à mes risques et périls, des armes d'un plus haut niveau pour pouvoir essayer d'espérer les avoir au moment où je passerai le level et être plus simple. Bref, gérant d'entrepôt, bonjour. Bonjour. Voilà. À propos des conteneurs, tu as déjà parlé des conteneurs, eh bien tu peux installer le conteneur que je te prête dans ta maison et tout gérer dans le dépôt sans jamais t'y rendre. Sache que tu ne peux gérer le dépôt que dans la ville où se situe ta maison. Si tu prévois de déménager, tu devras préparer une nouvelle maison dans la nouvelle région. Comment tout ça? Le quai de Velia. C'est l'endroit parfait pour se reposer tranquillement, même si ce port avait dû se développer, mais il sera aujourd'hui l'un des plus importants. Le chef pense comme moi, il me taquine et me demande ce qu'un quéplanien peut savoir de la ville. Mais il a des regrets, ça se voit. D'accord. Ok. Ok, ok. Bonjour. Chut, chut, silence, on pêche ici. Pas de poisson, hein. Crio est en bas, obtenez une canne à pêche. On a acheté une auprès de Crio, où tu peux jongler des tes jetons de pêche contre une canne. Sache que Crio est un farceur, on ne sait jamais, on sait toujours pas. On ne sait pas toujours ce qui lui passe par la tête. D'accord. Ok. Bon. J'ai obtenu des choses dans le monde. D'accord, je ne peux pas le. D'accord. Ok. Hop, allons-y. Allons-y, j'espère que je vais pas me faire suivre. Parce que la personne s'est mise bien en face de moi.
Mais bon, j'imagine que c'était l'effet... l'effet que je donnais en fait avec ma tenue, tout simplement. Ok. Alors, juste pour revenir. Lui, c'est un chef de commerce, n'est pas un officier de marché ou je sais pas quoi là. Du coup, il ne fait pas la même chose. Lui, en fait, c'est vraiment pour le... Comme je suis allé me renseigner un petit peu sur internet. Lui, c'est vraiment pour le commerce avec les caravanes, tout ça. C'est pour apprendre à monter. Ah, attendez, il y a l'esprit occulte qui veut me parler depuis déjà 10 minutes, donc le pauvre bête, la pauvre bête. Yo! Ah, t'as une quête supplémentaire à me donner. Porte vers Eidel. Tu ne penses pas que j'en ai fait assez pour cette ville? Je m'ennuie. Allons voir ce type là, ce Kerkele. Nous pouvons chevaucher notre âne maintenant. Donc on va gagner un peu de temps. Je le dis. On a bien fait de revenir ici, hein. Taming, d'accord. Enfin bon, un âne, y a pas tellement de choses à tamer, hein. Si je puis dire. Ok, yo! As-tu rencontré le chef Igor? Ne sois pas trop tendre avec lui, il demandera de lui rendre un service. Je suis un marchand. Je conclue des ventes même dans mes rêves. C'est grâce au commerce que des gens comme toi et moi pouvons survivre. Premier pas vers une carrière de marchand, non, ça m'intéresse pas. Attention à Manzi. D'accord, laisse-moi te donner un conseil si tu veux rester tranquille par ici. Ne t'approche pas de pauvre de Santo Manzi. Les gens disent qu'il n'est même pas de cette ville. Comment un étranger peut-il parler de cette ville comme ça? D'accord, je la paye de Claire, remets-lui. J'ai la paye de Claire, remets-lui ceci pour moi. Pas de soucis, bah attends, avant d'y aller, je vais quand même faire ta quête. Faut que je fasse les quêtes de la ville, entre guillemets, avant d'en sortir, littéralement, hein, chers amis. Ça me semble logique. Hop, un petit coup de sprint. Crac. Ah, ça doit être sa mère, non, c'est ça, ouais, c'est ça. Ok, bonjour. Ah, rebonjour. De la part de Bahar, il aurait simplement pu m'appeler. Ah, t'as tout sur ton téléphone? Santo Manzi, qu'est-ce qu'il a, Bahar? T'as dit quelque chose sur lui? Oh, bon sang, il fait toujours ça avec les visiteurs. Je ne dis pas ça parce que Manzi est mon fils, mais Manzi est un bon petit, alors s'il te plaît, ne le juge pas trop vite. Bah, jusque-là, de ce que j'en ai vu, c'est un connard. Hein. Bah, si tu le sais, c'est... Fais preuve de compassion, c'est un petit qui a une... Ce petit a eu une éducation sévère, parce qu'il est plus petit. Le fils de Claire, pourquoi mentirais-je? Demande aux gens du village. Tu as rencontré mon fils, quand tu le verras, tu l'aimeras bien. Non, déjà le cas. Ne crois pas les rumeurs, les préjugés ont tendance à déformer la réalité. De ce que j'en ai vu, c'est un connard, hein, désolé, hein, mais... Ok. Fils de Claire. Voilà. Allons-y. On va aller le voir. Et vous allez voir que pour moi, c'est toujours un connard. Quand je vois les prix qui vendent les objets, ça me trouve le cul. 38 millions. Donc moi j'ai du mal à avoir un demi 100 000 quoi. Ok, Ok, par exemple, Bar, le salaud, il veut vendre cette ville à quelqu'un. Ou les fossoyeurs, c'est amusant de leur botter les fesses. Si tu as de l'échange, tu pourrais voir quelque chose d'encore plus fou. Oh, tu as l'air sérieux maintenant. J'arrive pas à trouver une voix en fait pour lui. Alors ne prends pas cet air si grave. Ha ha ha! You'll have to contend with my fists first. Bref, salut. Ok, bon. Bah finalement. Finalement. Ok, bon, on y est. Alors. You want to leave a donkey or horse in safe keeping, you're in the right place. Il y a une bonne tête celui-là quand même. Je suis Lorenzo Murray. N'hésite pas à venir me voir si tu veux discuter de chevaux. Non, moi c'est d'un âne dont j'ai besoin. Keep that in mind. Boutique, carotte. Rabli des PV dans l'énergie de votre cheval. D'accord. Nourriture bon marché.
c'est pas excessif, un cheval. Et dis donc, je veux pas dire, chers amis, mais les armures s'achètent plus cher que les... celles en cuir. D'accord. Oh, c'est pas mal. C'est pas bête. En fait, faut acheter des équipements. D'accord. Ah, c'est pas mal fichu, remarque. C'est pas mal fichu. Ok. Je vais quand même lui prendre... lui prendre des carottes. Même si apparemment elles sont moins chères sur le marché. Le problème c'est que j'ai pas de marché. Bon, attendez. Écurie. Inscrire un emblème. Veuillez saisir un nom. Canasson. Attendez. Faut que je regarde comment c'est écrit. C'est ça. Canasson. Voilà. Hop. Prendre la monture. Ben non. Ticket de déplacement, culture de carottes. Tu peux m'acheter des carottes pour les ânes et les chevaux, ou tu peux les cultiver toi-même si tu possèdes des graines de carottes. D'accord. Et donc, maintenant que... le chef vous a envoyé, hein? Alors, vous avez emmené le coupon. Ok, je peux vous donner un âne. Suivez simplement la procédure, d'accord? Parle à Lorenzo Murray pour enregistrer le coupon et nommer votre âne pour le monter et vous promener. D'accord. Ok. Prêteur de main forte, oui, tu le dis. Et donc, mon canasson, je l'appelle comment? Mon canasson, je l'appelle comment? Écurie. Sortir. La monture est sortie. Oh! 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 C'est... oh putain. Ah oui. Je peux pas le faire sprinter? Apparemment il veut pas sprinter du tout, hein. Je veux pas dire, mais... je sais plus où je vais, en fait. Je sais pas où je vais, en fait. C'est ça qui est débile. Je vais là. D'accord, bah écoute, on y va. C'est parti. Oh, ce canasson! Il est tellement beau, canasson. Baleine repérée, une baleine découverte dans archipel de Kron. Guide, PNJ, et ça c'est quoi? Afficher la zone d'installation du nœud. What? Tu le dis? Ok, bon. De toute façon, je vais véritablement avoir besoin d'un vétéran du jeu pour m'aider, hein, chers amis. Alors, je vois une barre d'énergie qui descend, j'aurais peut-être dû acheter des carottes, finalement. Oula, j'entends des monstres qui ont l'air de trouver mon âne appétissant, c'est particulier. Allez, l'en chie dans les côtes. Hein. Niveau 2 de canasson. Ah, d'accord. Canasson a ses propres niveaux. Votre niveau de production a augmenté, si tu le dis. Oh, il avait deux bestioles qui le suivaient. Oh, il avait même un oiseau qui le suivait. Moi, je veux bien un oiseau qui me suit. Oh. Bonjour. Tu permets, je m'approche de toi. Ah, je peux pas te parler alors que je suis à cheval, c'est dommage. Enfin. Sur à d'autres canassons. Velia, eh bien sûr. Oh, bien sûr que je connais le chef Bartali. Le corps d'Eidel se trouve derrière cette porte. Le col d'Eidel, pardon. Enrico Macchini, commandant de la garde d'Eidel. Tu t'en vas déjà, si tu continues par là, tu en auras Eidel. Mon ami Enrico Macchini est posté à la porte de la ville. Parle-lui de moi et te donnera un coup de main. D'accord. Parti. Hop, allez, tourne canasson. Tourne canasson, c'est bien, c'est bien, c'est un bon canasson. Hop. Allez, U canasson. J'ai dit U canasson. C'est parfait. Allez, canasson. Allez, ya yeah. Ah bah, canasson. Ah voilà, c'est bon. Ah, il aime pas l'herbe non plus, hein. Il aime bien brouter, mais pas manger. Enfin, pas rouler de marcher dedans, quoi. Oh là, et t'as pas dans les gens, canasson. Oh, c'est joli l'endroit, ce pendant. Oula! Je sais pas pourquoi je trouve que tu ressemblais à un bandit. Cassez-vous de ma route! Moi je tape dans les gardes, y'a pas de soucis, hein.
Bon, ça fait un petit bout de route là, non? Enfin, je sais pas, ça me semble loin. Ok. Pourquoi il y a un point de... Forêt de la solitude. Ok, je sais pas ce que ça veut dire, mais pourquoi pas. Oh, mais t'es même plus sur la route, canasson. Ah là, je regarde pas, tu fais des conneries. Hein? Arrête de taper dans la hitbox de l'arbre, il t'a rien fait. C'est ça? Mais c'est à peine si c'est un point de passage. Oh, le gros cheval. Ok, stop. Stop, j'ai dit. Canasson. Cartographe. Bien avoir un mec d'écurie par là, non? Je vois des chevaux. Non? Oh. Hop, allez, stop. Bonjour. Salut, d'où viens-tu? Tu as fait tout ce chemin par la montagne? Oui, effectivement. Oui, je le sens, quelle passion, d'accord, on va bien s'entendre. Ok, c'est une vie. Edel dans la défaite. D'accord, bah, écoute, prends ça. Ah, au fait, puisque tu es Edel, on t'a raconté l'histoire de la capitulation. Nous n'avions aucune chance contre l'armée calphéonienne. Tout Edel était en liesse à la mort du Gisseric. De Gisseric. Je ne sais pas si c'est le parlement de se dégénérer ou quoi, mais nos terres, on se meurt depuis que ces clowns sont au pouvoir. Quoi? Tu ne connais pas Gisseric? C'était le dernier roi de Calphéon. Tant d'ignorance me sidère. D'accord. Ferme Alejandro. Va à la ferme Alejandro à l'ouest, ce n'est pas très loin d'ici. Je pense que tu pourras les aider. Vois si tu peux trouver un moyen de gagner un peu d'argent là-bas. Profite de ta jeunesse, ça te servira plus tard. Il a raison. Oh. Parking? Pourquoi il avait marqué parking en grand? C'est rigolo. Cartographe. Bonjour. Ça sent bon, n'est-ce pas? Je suis responsable de la cuisine. Edel est juste à côté, nous avons donc toujours des ingrédients frais. C'est un délice. Développement de cuisine. Un véritable grand chef devrait être capable de présenter une exquise excentricité qui étonne les papilles. La cuisine d'Olivia manque cruellement de créativité, elle a clairement atteint ses limites. Donne-moi du travail! Oh là, j'ai cliqué deux fois, tu connais pas encore la musique? Enrico Mancini, tiens, non, attendant aussi, il s'appelle Vangelas. D'accord. Oh, secours de la ferme! Quoi de neuf, Edel? Calphéon, ce n'est pas si mal pour vivre. Mais pour ma cuisine, en revanche. Les insectes affluent dès que j'essaie de préparer quelque chose. La situation est un peu meilleure ici. Il faut dire que la ferme Alejandro s'occupait de son problème de couscous. Moi je connaissais les couscous hein, en cuisine, mais... Pendant que j'y pense, ils cherchaient des mercenaires. Tu sens en faire partie, ça t'intéresse? Bah écoute, pourquoi pas. Le pire oiseau qui soit, tu t'y connais en couscous? Ah putain, c'est en coucou. Oh la gueule. Je crois que c'était vous savez, une bestiole quoi, qui s'appelait comme ça. Si oui, tu ferais bien d'aller voir Alejandro, c'est un coucou, d'accord. Oh putain. Il gère une ferme ici. Il s'inquiète des coucous toujours plus nombreux. Je lui dirais bien de partir, mais le miel qu'il me fournit est irremplaçable. Va l'aider et n'oublie pas de lui dire que c'est moi qui t'envoie. Il te donnera peut-être un pot de miel. Le mec est à peine intéressé, quoi. Ok. Canasson. Hop. Ah bah attends, j'y vais à Heidi, moi. Hein. Calmos. Oh! Ah, mais c'est un château en état de marche en plus! Enfin, en état de. En état? Oh! Oh, puis Canasson qui monte au niveau 3 pile à ce moment-là! Les écuries, elles sont là-bas. Ok. Bonjour, mon ami! Permets que je. Heureux de faire ta connaissance, tu ressembles à un de ces aventuriers. Tu auras besoin d'un cheval robuste. Tiens, je t'en prie. J'aimerais que tu le mettes à l'abri. Hop, merci. Ok, parfait. Merci l'ami. Mais bien écoutez, chers amis, du coup, on va cesser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom. Ne partez pas le lien dans la barre de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir laissé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et yop.